Me revoilà. Me revoilà, on va. Je me coupe la chic là. Ok. Couper la caméra qui ne sert plus à rien. Ok. Et on va brancher la Suisse. C'est le milieu, la manette, la switch qui se trouve ici. Millions de degrés dans le bureau. Et on passe sur la SAP. Ok. Petit souci. Alors attendez, c'est peut-être qu'un article. Et mieux. Mieux, non? Alors. Débrancher. Ok. On va rafraîchir la caméra. Alors, voilà. Ok. Et on est reparti. Donc on venait de faire, le temple, enfin on venait de faire le petit sanctuaire qui se trouvait là. Alors. Ouais. Ok. Hop. Alors j'imagine qu'il faut que là, je mette... Qu'est-ce qu'on a là ? Juste un truc, une fontaine. Une fontaine de chocolat. Donc on va mettre un petit coup de flèche là et ça va nous envoyer de l'autre côté. Ouais. Ouais. Ok. Allez, on va traverser. Nous rapprochons. Top. Ok. Oh, des fois c'est l'inertie, enfin l'inertie avec la gravité légère, c'est difficile. Et je sens vraiment, vraiment lent. Allez, on avance. Allez, tu es un saumon, Link. Ouf.
On continue d'avancer comme ça. Ils ont vraiment pensé à différentes façons d'avancer dans le jeu. C'est assez rigolo quoi. Il y a un coffre à gauche. Est-ce qu'on l'a fait celle-là d'île? On l'a fait. Attends. C'est celle-là que je regarde? Ouais, on l'a fait celle-là. Je pense, hein. Yeah! Ça, c'est cool, les cartes. Pas mal de trucs à récupérer dans le sous-sol. Hein. Alors, on va se faire là-bas. Rien. Et... Ouais, le baston. Toi d'abord. Je vais pas emmerder par vous quoi. Tout le monde a dû voir, mais le petit coffre là qui vend sur, sur internet qui s'ouvre avec les jeux Switch dedans, c'est vraiment cool. Hey. Grande lame de sergent, on va peut-être dire un truc dégueulasse. Ça, ça sert quand même. Pesora, Pesoldat. Je suis avec ça. Et... Y'a un truc là? Non, y'a rien. On va monter par là. Il recule pas ? Ah ça y est. Ça passe. Ça, je peux pas le bouger, ok. Ça, je vais pouvoir le bouger, mais je ne sais pas ce que je vais en faire. Alors.
2. Ah. Oh, faut plus que ça. Une méga rampe. Hop, on va coller celle-là. On va prendre un dernier qui se trouve là. Là, ils ont foutu une fontaine, mais on s'en fout en fait, non? D'accord. Allez, bouge-toi, toi. Ça va marcher. Ça devrait être ok là. Alors, est-ce que tu montes? Bah nickel. Ça va être... Là, tu mets ça. Ah, il passe. Ok. Alors, ça va être ça là. Et j'ai plus qu'à prendre la prochaine bulle au passage. Dans un superbe coucher de soleil. J'irai pas tout salto boueuse mais... Ok. Engin du démon là avec des... Ok. J'en ai encore ? Équilibré. Allez, stick là. Ouais. Est-ce qu'il y a des roulettes? Il n'y a pas de roulettes.
Ah si, il y a des roulettes. Alors. Ok. Ça devrait être pas trop mal là. Bon, j'ai un peu fait l'engin de Goldorak. Ça devrait passer. Et lui maintenant il m'attend gentiment là-haut. Ça va ça va le coup de main, merci hein. Quel endroit étrange. Bah ouais, mais bon, ça fait 2 heures que tu m'attends, moi je suis en train de me faire chier à monter, donc visiblement nous pesons moins lourd ici. J'ai été propulsé bien plus haut que ce que je ne pensais au bout des cascades. Mieux vaut rester sur nos gardes. Avance avec prudence, Link. Ok, j'ai pété mon truc. M'a buté. J'étais prudent pourtant. Attends, je peux t'éteindre. Ah, c'est mieux. Mes yeux. J'étais plutôt prudent, non? Voilà. Est-ce que mon épée de légende est de retour? Ok. Arrête de reculer! Oula. Voilà. Cinématique pour un mec comme ça? Ok. Voilà, une bonne chose de faite. Continuons, Link. Est-ce que je peux amalgamer comme ça? Ouais, attends. On va faire une épée laser. Et on peut récupérer l'épée de légende. Et on va arriver au temple de l'eau. Visiblement, toutes les cascades de vases coulent des ruines qui se trouvent là-haut. Ce qui veut dire qu'on pourrait bien y trouver la source de nos problèmes. On touche au but. Tu es prêt, Link? Plus que jamais. Entendu. Je t'attends ici.
Ah, merci pour le coup de main. Hein. Ok, temple de l'eau, grande source d'Irune. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et là, t'es en train de. Saloperie là qui crache de la vase. C'est dégueulasse, une grosse gastro. Allez, on va l'activer. Ah, il veut pas. Il ne veut pas. Ok. Alors, est-ce qu'on peut nettoyer s'il y a un truc à trouver par ici? Non. Est-ce que ça va être suffisant? Pas assez. Moi, j'ai jeté un coup d'œil là-bas. Non. On va venir de nettoyer la zone. Ok. Essayer d'aller là-bas. Allez, on grimpe. Ok. Il y a du... Oula. Merde. Ok, et là. On va... Ah. Ah, il est mort aussi. Okay, ça lâchait plein de trucs. Alors, là l'ensemble s'en fout. Là il y a une boule. Bon, faut qu'on nettoie quelque chose. Alors attends, on va prendre.
Ouais, ça j'en ai encore 14. Ok. Nettoyer tout ça. Alors, je pense que ça, il faut le mettre là-dedans. Ok. Et je prends la prochaine. Ça a marché là. Ok, tombé plus bas. Ouais, il a pas pu reproduire. Ok, ça va. Ouais, où la grille? Elle est là-bas. Ouais, et puis ouais, faut que je vide l'eau, j'imagine. Ah ouais, il faut que je vide l'eau. Ok. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Alors attends, hop, on va faire... prendre un truc d'énergie sono, ouais, ça, on prend ça. Que faut-il que je fasse? Peut-être si je fais... Ah, attends.
d'accord. Non. C'est un truc à haut là. Y'a rien. Je passe à côté de quoi là? Comment je l'active ce mécanisme? Comment j'active ce mécanisme? Parce que ouais, ok, ça va. Si. Ça va éteindre le feu qui est en bas, j'imagine, un truc comme ça. Sélectionner. Non. Non. C'est pour la flèche. Qu'est-ce qu'il faut faire? LED. Je sais pas. Est-ce que ça va faire quelque chose? Ça fait que dalle. J'ai encore épicé moi.
là pour la déco, je pense. Bon, ça faut que je passe par là. Parce que si je vais là-bas, il y a quelque chose. On va descendre. De l'eau sous-sol. Ok, on a une jolie mare. Essayer, hein. Non, ça éteint que dalle. Je pense qu'il me faut Jean-Michel là qui me file un coup de main. Je sais pas. Alors, hop. Là, y a rien. Un truc qui tourne. C'est un truc à faire là. Ça. Tant pis pour mon arc piaf. Le choix a été fait. Arrière. Alors lui, il faudrait une planche. Ah voilà. Merde, c'est ça que je voulais faire.
Hop. Ok, pas exactement ce que je voulais faire. Ok, là faut que je fasse contact. On a un truc en métal qui me permettrait de faire contact. Est-ce que ça, ça marcherait ? Putain, c'est encore le truc là. Non. Comment j'active ce truc? Faut que je retourne faire pipi. Est-ce que quelqu'un est là pour m'aider? Je pêche un poil. Petite pause pipi, je reviens. Ok, alors voilà, je me suis fait des nœuds. Ah pourquoi oh.
alors. Ok, bon, attends, j'ai... Quoi, le boîtier... On va le démancher, on va le brancher. Ok, alors... Plus de son. Pourquoi moi j'ai plus de son? Je crois qu'il va être temps de s'arrêter. Attends, si je fais ça. Oui, ça je le sens, j'ai plus le son de boîtier d'acquisition. Alors, bah, y a... Ouf. Alors. C'est étrange, bon vous avez l'air de toujours avoir du son. Vérifier. Ouais, vous avez toujours du son. Écoute, moi j'ai plus de son, c'est pas grave. On va se la faire comme Véronique, on va se la faire sans son. Je débranche la Switch, je rebranche la Switch. Non. Bon, bon petit redémarrage des familles, ce sera apprécié. Alors, par contre, attends. Tu vas me faire un coup de main, Jean-Michel là? Si on remonte avec ça, on le trouvera sans doute. Ouais, tu es prêt. Mais oui, je suis prêt. Fantastique. Ah, ok. Il fallait juste que je lui demande. Si, si j'avais su qu'il savait, il suffisait de demander. Ok, il est là. Alors. C'est sublime. Quand je pense que cette structure flotte dans le ciel au-dessus du domaine Zora. Link. C'est quoi ce gros tas de merde? Cette fois, nous avons bel et bien trouvé la source de la vase. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ok, il faut que j'ouvre les différents robinets. D'accord. Je sais. Tu vois ça, Link? Il faudrait qu'on trouve un moyen d'utiliser cette eau. Et là, il va me dire non. Ah si, non, il va bien. Ah, ça a raison. Il faut que j'en débloque encore 4. Oh. Ça revient. Ça n'a pas marché.
Mais le mécanisme fonctionne, tu as vu, je suis sûr qu'on pourrait être que ça pourrait être efficace. Mmh. Il faudrait qu'on ait plus d'eau. Encore ce bruit. Oh toi, mon descendant. Putain, j'ai tu pas de son ce chier. Tu te trouves devant la source de l'eau pure des auras. Sers-toi de ton pouvoir. Sers-toi de ton pouvoir pour ouvrir, les ouvrir ces quatre vannes et tu auras tout ce dont tu as besoin. Ok. Laisse-moi te guider. Laisse-moi te guider. Oh. Encore cette voix, mais cette fois, je l'ai entendue clairement. Il y a donc quatre vannes. J'imagine que si nous réussissons à les ouvrir, les jarres se rempliront d'eau. Jean-Michel Jarre. Au travail, Link. Si nous unissons nos forces, toi et moi, rien ne nous résistera. On va s'arrêter là. Ça fait 2h30 qu'on est en live. J'en prendrai peut-être un peu plus tard. Il faut que je redémarre le PC d'abord. Parce que j'ai plus de son. Attends, je vais juste écouter la lire. Van, robinet. Ouais, mais là je suis comme Véronique sans son, donc faut que je redémarre. Je sais pas pourquoi j'ai plus de son sur le jeu, donc on va faire un petit break, je prendrai peut-être un peu plus tard dans l'après-midi, ou bah sinon on se retrouvera le week-end prochain, on va faire un peu de sauvegarde. Sauvegarder. Et on continuera un peu plus tard. Bon écoutez, moi je vais faire un petit raid des familles chez un copain, on va voir qui est là. On va mettre la musique. Alors je sais pas pourquoi j'ai bien la musique du jeu, là j'ai bien la musique, mais je sais pas pourquoi j'ai plus la musique du jeu. Très étrange, alors que vous l'avez. Cette démarche, mais tiens, Jonah est en live, on va faire un petit raid chez Jonah. Alors. Jonathan 666. Et on va lancer ça dans une minute et quelques. Donc ça me laisse le temps de vous faire un bisou, de vous retrouver plus tard. Et puis moi je vais faire un petit reboot des familles, voir si ça règle mon problème. Prévoir un live vendredi avec moi, l'extension de Sea of Sea. Bah écoute, si je suis là vendredi, on doit bouger faire du paddle justement, moi je vais faire mon Sea of Thieves, mais il faudra que je vais réinstaller le jeu sur le PC, ça peut être cool, sinon bah, on se retrouvera le week-end prochain. J'ai posé mon jeudi vendredi, donc on va un peu bouger, on va voir comment j'organise le week-end. Peut-être un petit live nocturne pour terminer le temple, en tout cas. Merci Triskel pour le raid sur Kick et puis pour le host. Et puis bon, on se laisse avec Jonah quoi, qui devrait prendre le relais dans une petite trentaine de secondes. Je vais couper la chic et je vais regarder si ça fonctionne. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, en attendant les prochaines citations. Ah, bah merci, merci pour le raid. Mais on est en train d'arrêter. On est en train d'arrêter, désolé, on est en train de raider chez Jonah. Coucou. Moi, quand j'ai envie de me reposer ou de décompresser, je fais de la varap ou alors de la marche, de la bicyclette. Ou bien je fais du karaté, du tai chi. J'améliore mes coups francs, je fais du skateboard, du snowboard, du windsurf, du baseball ou bien du football. Je fais du piano, de la peinture, je lis, j'écris, je compose. Je regarde des vidéos, des dessins animés ou des films d'action, ou tout simplement les infos. La drogue peut te tuer. Et quand il existe autant d'activités dans la vie, pourquoi est-ce que je me droguerais? Pourquoi est-ce que tu te droguerais? Alors, on était lancé, je suis désolé, coucou Neb.
J'espère que ça va bien. On est en train d'arrêter. J'ai des petits problèmes de son, donc il faut que je vois si un reboot des familles règle le problème. En tout cas, c'est très gentil de ta part. Je te fais des gros bisous, puis on se retrouve plus tard. Allez, je vous fais des bisous, les copains. Ciao, ciao. À plus tard. Et je suis de retour. Et oui, on a fait une petite pause et on est maintenant de retour pour se reprendre ce temple, ce fameux temple de l'eau. Ça me titillait. Madame est en train de redesigner tout le salon, donc ben, moi je me suis éclipsé et je suis de retour avec vous. Donc sans plus attendre, on va relancer la Switch. Voilà. Oula. Ah, ton plus trop. Ok, on a récupéré le son. On va couper la musique. On va se mettre. Hop. Et voilà, on est de retour. Nous sommes de retour, donc on va pouvoir se faire. Donc on a les différentes pompes, je pense que celle-là est en dessous, et on a une, deux, trois, il y en avait quatre, ah, il y en a quatre, c'est ça. Ça devrait être rapidement plié, non? Yeah. Le problème de caméra est toujours pas réglé, je me demande d'où ça vient, je vais essayer de changer, d'intervertir le téléphone de derrière. Et celui-là, voir si ça vient du téléphone. Premier qui était là, la boule est restée là, c'est très bien. Il faut que je... En fait, c'est ça qui s'est décroché. On avait dit on colle ça, ça, on monte. Bim. La boule reste dans le trou, ça m'ouvre ça. Viens me voir toi. Est-ce que tu vas faire quelque chose? Non. C'est pas toi que je veux, c'est toi que je veux. Ok. Ah, regarde Link. Ça doit contrôler une vanne, c'est une roue à aube. Ouais. Et du coup j'ai perdu ton pouvoir? On va attendre un peu. Je suis prêt. Ok. Ah bah quand on a le bon gars, ça marche plus vite. Forcément. Fantastique. Cette vanne est ouverte. Ça marche beaucoup mieux. On est sur la bonne voie, plus que trois. Ok, plus que 3. On va virer ça. Ah, comment j'étais monté là? On va passer par là. Moi je t'ai passé. J'étais pas passé par là, mais ça fonctionne. On va récupérer ce coffre là.
Merci pour les flèches. Je prends. Alors là, on a fait rétrospective. C'est tombé. Voilà. On va remonter. Ah, il va garder le truc là en plus. Ok. Hop. Jean-Michel, merci. Je suis prêt. Ok. Et on avance gentiment. Bravo Link, il ne nous reste plus que deux vannes à ouvrir. C'est vrai que là du coup ça se plie assez rapidement. Il hein. Y a des gars, on va se les faire. On va faire infiltration par là. Et... on va profiter pour faire un petit passage. Attends. On va faire une capture d'écran. Et on va se profiter pour faire un petit message sur les réseaux. Oh. Mais ils vont chercher la merde forcément. Moi, je fais une pause pour les réseaux sociaux et t'as les gars qui vont chercher la merde. Ça. Une petite photo. Mettre le lien de la chaîne. Et. Hop, kick. Et c'est parti. Juste tac. Hop, hop, on va me retweeter. Le petit tweet des familles. Ok, hop, ça revient. On est bon. Allô. Ouais, il me fait chier quand il fait ça, le navigateur. Ok, c'est bon.
On peut fermer. Ouais, on peut fermer. Ouais, en fait tu m'emmerdes pour Bah attends, on va te mettre une... Ah bah il est mort. Il tombe dans l'eau. Alors, on disait donc. Ok. Ah, ça flotte pas les Dark Golem. Ok. Alors. On va pouvoir le coller à ça. Attends, si je le ramène là... là-dedans. Est-ce que je peux le coller à ça? Non. Par contre, si je le ramène sur moi... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se gagner, s'acheter un peu de temps. Les orbes sono. Troisième. Et repapi. Un petit redémarrage des familles, une petite pause manger. On va le baisser un peu. Comme ça peut-être. Erreur, Calendris. Comprendre ce qu'il faut faire là. Je pense qu'il faut coller une plateforme comme ça.
Alors, c'est... Bah écoute, on va voir si ça marche. Je peux rien faire. Si, un troisième là. Ouais, ça marche. On va pousser ça là. On va... Alors si ma... comment dire... Ma théorie va fonctionner. Tu vas faire chier. Alors, on va manger ça. Bon, y a un truc à faire avec ça, donc. On va voir si ça fonctionne. Alors, ça voulait le faire. Merde, il a pété. Ça. Je veux bien un indice. Je veux bien un indice. Le bullet time. Bon, déjà j'ai réussi à nettoyer. Ok. Bien joué. Et tout en pétant l'arc. En effet, c'était tout con. Ah ouais, c'est vrai, c'est...
Allez, donc 3 sur 4. Plus qu'une. Excellent. Il n'en reste plus qu'une, Link. C'est ce que je viens de dire. Merci. Merci. Il n'y a pas quelques flèches à récupérer là ? Non. Oh, putain, un arc. On récupère pas mes flèches. Bon. Donc la dernière, elle est là-dessous. Niveau moins 1. Est-ce qu'il y a un passage pour le moins 1 là? J'ai pas l'impression. Ça a l'air fermé. Ah bah avec le bouclier d'eau. J'ai bête. Avec le bouclier d'eau, je devrais passer à travers les flammes. Michel ? Ah, ok. Je suis prêt. Yes, où les flammes ? Ok, on est passé. Ouais. Alors. Ça je vais faire. Alors. Ok. Alors j'imagine qu'il faut que je colle. Ça. Non. Eh merde. Voilà, je le colle. Plus de batterie quand même. Hein. Bouger.
Et... Là. Il va vider la batterie, on va le temps qu'elle se recharge un peu. Je pense que ça, ça doit se poser là-dessus pour arrêter les flammes, non? Ok. Et là, si je prends celui-là. Et je vais le mettre là-dedans. Ah merde, attendez. Pardon, désolé. Jean-Michel, merci. On y va. Il va être vite plié le temple de l'eau. Du coup, ça fait une demi-heure qu'on a repris. Petite pause pipi après. On va aller battre le boss. Je fais beaucoup pipi aujourd'hui. On a réussi, Link. S'hydrater. En même temps, ouais, avec. Avec tous ces robinets là. Parfait. Toutes les jarres sont pleines. Il ne reste plus qu'à actionner le terminal centre. Pardon, désolé, j'ai coupé la chic. C'est ça, ouais. Les temps sont plutôt rapides, ouais. Mais je sais pas si j'avais mis quand même un poil plus de temps. Attends, je vais quand même aller prendre mon... On va aller prendre le coffre. Parce que pourquoi pas, après tout. Assez proche. Je ne suis pas assez proche. Oh, sérieusement? Est-ce que je peux me déplacer Non. Alors. Je peux plus me déplacer? Ok. Ok.
Ok, alors. Si je lui mets une flèche dans le... Pas tombé. Et où? Oh putain. Ouais, on va faire ça comme ça, on va pas s'emmerder. Voilà. Un peu de sonium, ça prend. Yep. Sommet étage, petite pause d'un instant, vraiment. Qu'est-ce que je pisse aujourd'hui? Et j'arrive. Ok, me revoilà. Ok, me revoilà. Alors. Donc, on va verser ça et on va se taper le boss. J'imagine. On va peut-être faire le plein de manger un bout. Ok. Allez, on tire la chasse. De merde, le gueule de tard. La vase a complètement disparu. Le domaine est sauvé. Derrière toi. Mais voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui as attaqué le domaine. Il va grossir. Sale vermine. Ok. À l'attaque, Link. Je compte sur toi, Link. Alors. Rattrapons-le, Link! Ah! Allez! Ah merde! J'ai pas d'épée! Quel con! Quel con! Link.
Ouais, alors ça. Merde, tu peux. Ah non, c'est mangé. Il faut l'arrêter. C'est le moment ou jamais. Ouais. Deuxième transformation. Oh putain. Ouais. Ok, on va ralentir. Oh, c'est plein de vases. Il faut qu'on la nettoie à grand dos. Oh putain. T'as pas épargné. Ouais. Sois prudent. Oups là. Il pleut de la vase, fais attention. Difficile d'avancer dans toute cette vase. Ouais mais alors viens, viens ici. On peut faire quelque chose. Je suis prêt. Ok. Ouf. Ah tu sais quoi. J'en ai plein. Il est où Eh, viens voir. Okay. Ouais, je... Ah oui, attends. Tu as raison, le lanceur d'eau, ouais. Énorme. C'est ah. Bon. Oh non. Quelle attaque des... Hop là. Si tu la subis encore, je donne pas cher de ta peau. Ouais, ouais, ouais. Attends, je suis occupé. Ok. Il est ouf. Il nage à son aise dans la vase. Impossible de le rattraper s'il continue comme ça. Ah putain. Si. Allez. Fais attention. Il est où? Je suis prêt. Allez. Eh merde. Tout va bien. Tiens,
tient bon. Oh putain. Allez, soulève. Il est chiant, deuxième partie chiante. Hop. Barnier, sois prudent. Mais viens toi. Ouais, bah reviens. Je suis prêt. Ah, j'ai poupé. Allez, on passe à la marche. Ça marche. Allez, crève. On y est presque, Link. Allez. Il est où ce con ? J'ai plus d'arc. Moment ou jamais.
Allez. Ouais, c'est bon, lui. T'es relou, lui. Oui, il est dégueulasse. Ouh. Allez, deuxième temple. Bon, on va libérer les auras. Deuxième... un petit cœur. Je vais m'en prendre. Yes. Ah, non, pardon, on récupère ça d'abord. Salut toi. Allez, on va faire son serment. Ouais. Alors j'ai eu mon petit doigt, je vais avoir quoi, le pouce? Pour ça je fais ça. Qui a hérité de mon sang. Encore cette voix. C'est donc toi qui nous parles à tous les deux depuis un moment? Ouais, j'ai un oui, méga masque de défense. Je suis défense. Un très lointain ancêtre. Appelle-moi Tata. J'étais une guerrière Zora au service du premier roi d'Hyrule, également connue sous le nom de Sage de l'eau. Tu as remarquablement combattu, tel un cours d'eau insaisissable. Tu es la fierté du peuple Zora, et tu me fais honneur. Ce monstre était la cause de la vase. Il a été envoyé par le roi démon en personne. Toi, le poulpe, va faire chier les Zora. Il avait permis d'obtenir la gemme que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre occulte et le roi démon, tu dis? Oui. Tout cela est de la plus haute importance pour ce qui t'attend par la suite. Ouais. Alors, sacrifier. Écoute ce que j'ai à te raconter. Écoute la tragédie de la guerre du sceau et le destin. La guerre du sceau pour le sage, pour le sage de l'eau. Les événements que je vais vous relater remontent à un passé fort lointain, peu après la fondation du royaume d'Hyrule en ces terres. Un être maléfique fit son apparition, terrorisant les populations innocentes et menaçant de détruire le royaume. C'était le roi démon. Le premier roi d'Hyrule, Raoru, se dressa alors pour lui faire face, accompagné de 6 autres guerriers. Pour que nous puissions affronter le roi démon, Raoru nous fit don des pierres occultes. Des gemmes capables d'amplifier les pouvoirs de leurs porteurs. Moi-même, muni d'une de ces pierres occultes, je pris part au combat en tant que sage de l'eau. Mais la puissance de l'ennemi était immense. Mes défenses d'eau ne pouvaient rien contre la violence de ses attaques. Pourtant, c'était une femme fontaine. Elle était d'une agilité formidable. Finalement, le roi Raoru dut se rendre à l'évidence. Nous ne pouvions pas vaincre le roi démon. Il prit alors la décision de se sacrifier pour sceller l'ennemi et mettre un terme au combat. Et donner un coup de main. C'est ça, la guerre du sceau. Quelque temps plus tard, je reçus une visite de l'un des 6 sages, le sage du temps. Cet événement allait décider du sort des Zora.
Le sceau finira par céder, c'est inévitable. Le roi démon sera libéré. Quand ce jour viendra, pour pouvoir lui tenir tête, Link aura besoin de soutien. Je t'en conjure. Confie-lui le pouvoir des auras, le pouvoir de manipuler l'eau qui est le vôtre. À cet instant. Manipuler l'eau, c'est bien. Manipuler le pastis, c'est mieux. Éliminer le roi démon est notre vœu le plus cher. Au nom du peuple Zora, je jure que le retour du roi démon sonnera le réveil du sage de l'eau. Et que celui-ci se battra aux côtés du chevalier Link. C'est ainsi que s'acheva la guerre du sceau et que fut scellé le destin de notre peuple. Grâce à vos glorieux accomplissements, le domaine Zora a échappé à la catastrophe. Mais le réveil du roi démon est imminent. Sidon, mon descendant, je te prie d'accepter cette pierre occulte en héritage et d'honorer la promesse que j'ai faite aux sages du temps. Bats-toi aux côtés du chevalier Link. Prête-lui tes forces dans ce combat. Alors combattre le roi démon aux côtés de Link, c'est ma destinée. Merci d'avoir choisi pour moi. J'étais venu ici dans le but de sauver le domaine de ces torrents de vase. Je n'imaginais pas me voir confier la survie d'Hyrule. Comme ma vénérable ancêtre, je protégerai le royaume au péril de ma vie. J'accepte que la pierre occulte me revienne. Nice. Transformation. Je suis le sage de l'eau. Regarde, contemple ma nouvelle puissance. Donne-moi ta main, Link. Une grosse main quand même, une grosse patte, non ? Moi, Sidon, sage de l'eau, je fais le serment de combattre à tes côtés. Tiens, reçois ceci, le symbole de la promesse qui nous lie. Allez, maintenant on va faire un peu les trésors qu'il y a dans le sous-sol. Ah non. C'est ça. La classe. À travers cet anneau, où que tu ailles, tu pourras faire appel à mes pouvoirs. Je serai là pour toi, Link. Toujours. Bien, retournons au domaine. Retourne au domaine. Allez, la Switch. Allez, la route est longue, je domaine. Ah, c'est. La corruption qui s'en va partout. Mmh.
J'aurais bien vu une vague déferler et tout nettoyer. Hein. Link, te revoilà. Tu as vu ça? Il ne reste plus une trace de vase et elle est complètement disparue. Grâce à toi. Grâce à toi, nous autres auras sommes tirés d'affaire et notre domaine aussi. Mille paroles ne suffiraient pas à exprimer notre gratitude, mais laisse-moi tout de même te dire merci. Quant à toi, Sidon, ce que tu as accompli pour le domaine avec l'assistance de Link est pour le moins admirable. Tu es plus que digne de me succéder. C'est dur à dire. J'ai d'ailleurs décidé à cette occasion de te céder ma place sur le trône. Oh. Quelle mouche vous a piqué, père? Aucune, mon fils. Aucune. J'ai mûrement pesé cette décision. Sidon, il est temps que tu prennes la main de Yona et que tu deviennes roi. Ensemble, vous saurez guider le domaine Zora. Moi, roi? Je me sentirais comme un poisson dans l'eau. Merci, père. Je ne vous décevrai pas. Voilà qui vient parler. À présent que le nouveau rat reçoive sa couronne, notre témoin ne sera autre que le plus grand chevalier d'Hyrule. Équipé comme un porc. Je demande le silence. J'ai hérité de la couronne de mon père Dorefa. Dorefa Sido? Dorefa Sidon? Merde, putain, les mecs, les jeux de mots. Nintendo France, le jeu de mots, sérieusement? À partir de maintenant, je suis votre nouveau roi. Dans le même temps, j'ai décidé d'accueillir Yona à mes côtés, elle sera donc votre reine. Ah non, encore une morue. Salut roi Korogu, bienvenue. Je viens juste de capter ce jeu de mots absolument exécrable que le roi s'appelle Dorefa et que son fils s'appelle Sidon. Dorefa Sidon. Maintenant que la menace de la vase a disparu, nous pouvons nager le cœur léger sous ce ciel magnifique. Comment ça va, Korogu? Installe-toi. On vient de finir le temple Zora. Et là, on va aller partir un peu dans les sous-sols, découvrir les sous-sols et puis récupérer quelques trésors. C'est notre roi Sidon qui a rendu cela possible avec l'aide de Link ici présent et tous les habitants du domaine. Je suis fier de ce domaine et heureuse d'y avoir trouvé ma place. Je suis aigri et toi, pourquoi tu es aigri? Oh non, je suis pas encore aigri, c'est dimanche donc ça va. Cependant, nous, tout n'a pas encore été résolu. C'est exact. Tant que de funestes vagues continueront à secouer Hyrule, la paix retrouvée des Zora ne sera pas à l'abri de cette tempête. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi tout. Link nous a aidé à notre tour de lui prêter main forte. Ensemble, dressons-nous à de ses côtés. Parce que j'ai pas pu aller en Espagne pour voir ma famille parce que je suis... Oh bah merde! Pourquoi t'es à l'hôpital? Voilà la première tâche de ma royale épouse Yona et moi-même entendons accomplir. Tout va bien j'espère, enfin j'espère que ça va aller mieux. J'espère que je vais pouvoir sortir rapidement de l'hôpital. Bien Link, concernant la disparition de son Altesse Zelda. Au moment de récupérer la pierre occulte, nous avons vu cette scène où la Dame Zelda faisait appel à la Sage du Temps. Elle ressemblait à tout point à la princesse et a prononcé ton nom. Je vais aller chez moi, j'ai fait un malaise, quand je me suis réveillé, je ne sentais plus mes jambes et ma meuf qui m'a retrouvé allongée sur ce... Ah merde, chaleur? T'as fait un malaise vagal? Merci pour ce trophée.
se pouvait. C'est vraiment des super enquêteurs, hein, les personnes du royaume d'Hyrule. Si c'est le cas, cela voudrait dire qu'elle aurait remonté le temps jusqu'à l'époque lointaine des ancêtres. Pourtant, mon père avait dit avoir attaqué par la princesse, et ce, tout récemment. Quoi qu'il en soit, pour le moment, il nous faut plus d'informations. Link, pardonne-moi, mais mes nouvelles obligations royales m'interdisent de t'accompagner. Je vais tâcher d'obtenir davantage d'informations sur la disparition de son Altesse Zelda. Ouais, j'espère que tu vas pouvoir sortir et que c'est juste peut-être la chaleur ou quoi. T'as peut-être fait un lesvagal par rapport à la chaleur. Je sais pas où t'es, mais si t'es proche de l'Espagne, il fait chaud quoi. Je crois qu'ils annoncent 37 ou 36 cette semaine à Toulouse. J'espère pouvoir bientôt te revoir au domaine Zora. Link, en tant que sage, je serai toujours avec toi. Ok. Enquête royale. En chemin à la recherche de Zelda. Donc on va aller voir un peu. Carte. Il y a pas mal de trésors à aller trouver. Voilà. Et on allait se rendre vers là. On n'est pas loin en plus. Et il y a un sanctuaire juste là. Attends. Est-ce qu'il y a une abîme? Non mais l'abîme n'est pas à côté. Il faut que je me téléporte dans le sous-sol. On va aller dans le sous-sol, on va aller voir si on trouve ce petit trésor. On va continuer à stuffer ce petit Link. Grâce au pouvoir du serment, vous pouvez maintenant invoquer un avatar de Sidon. Ok. Hop. Par là. Par là. Alors par contre, si je fais ça et que je vais là, on sait qu'on va avoir une racine. Non, 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 non. Oh, putain, quel con. Je vais mettre un repère. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Oups. Allez. Je voulais mettre donc là, je voulais mettre. Sélectionner, mettre un repère et me. Et voilà, je me mélange les pinceaux. Voilà. C'est reparti. Petit aller-retour. On a 76 temples, donc on est à 50% des sanctuaires du jeu. Il faut que j'aille tout droit si je ne m'abuse. Poil à gauche. Ok, allez, on grimpe. On va prendre la tenue pour l'instant. Hop. On pourra toujours dépanner. Allez, on grimpe. On va se prendre plutôt
faire ça et on va faire la filtration. De légende. On est dans la bonne direction. Par là. Ça fait une sacrée trotte, hein. Ouais, c'est vrai qu'on a retrouvé la gravité normale. Je mets bien moi le. Allez, grimpe. Ah, ça a l'air d'être moins haut par là. Non, faudrait plutôt que j'aille vers là. Ok, on grimpe par là. C'est un gros champignon, ça. Allez, grimpe. Et plus haut. Là-bas, il y a un truc. Quelle racine qui monte jusque là. Maintenant, on va pour monter par là. On commence à galérer. Hein. Mais on va pouvoir atteindre la partie de la falaise. C'est cool. Ok, il y a des gens. Ils ont prévu de te le relâcher de l'hôpital quand ? Ça m'a l'air pas mal haut tout ça. Il y a un gros campement. Alors passer à côté à eux. S'emmerder. Ah ben on voit la racine qui est là-bas, mais alors je l'ai déjà. Alors ça, je l'ai déjà découverte. Bon, je la vois pas du coup cette racine. Pourquoi je la vois pas? Ah, parce que c'est dans cette direction-là qu'il faut que j'aille. Foutez-moi la paix. Je sais pas, ok. J'espère qu'ils vont te relâcher dans pas longtemps. Oh putain, y a un gros tas là, on va l'éviter.
passe. Il faut que je me dirige dans l'obscurité là-bas, j'imagine. Ouais. Ah bah elle est où la racine? Ok. J'arrive à grimper. C'est de hauteur. Toujours servir. Ok, encore un peu de... On prendra un peu de sodium. Je veux pas trop m'en éloigner. J'ai l'impression que je me rapproche si je vais vers là. Au moins que ce soit pas celle-là. Pousse-toi de là toi. Ok, alors. Il y a rien. Un petit coin plat, ça serait pas mal, s'il vous plaît. Un petit coin plat. Là, il y a un petit coin plat. Il y a quand même au moins. Je lâche une petite graine là, une petite lumos. Oups là. Alors. Hop, c'est la fin de la falaise qui est par là. Et là-bas c'est plat. J'arrive à montrer assez haut pour voir. Alors. Encore un petit peu de hauteur. Ça va être pas mal. Ouais. Faire une petite. Et voilà. Alors, hop. Mais c'est pas bon. Je suis full. Il y avait un caillou. C'est juste un rocher. Alors est-ce que c'était celle que je cherchais? Oui, ok. Ça est là où je voulais aller, donc on peut enlever le repère. Ok, on découvre un peu plus. Et par conséquent... Et par là. Et il y a une autre racine là-bas. Mais on a une corniche par là. Ah, on a un truc de Yiga juste en bas. Attends, ce qu'on peut faire, c'est... Là. Alors. Est-ce
Est-ce que je peux... Je peux pas les péter mes téléportations. Merde, je les ai toutes bouffées. Ah ouais, je peux les ramasser. Oui. Hop. Oui. Et là aussi. Oui, je vais ramasser. Maintenant, je vais là. Ok, et donc on va prendre la tenue. Pas ça, la tenue Igar, on va se camoufler. Équiper. Aïe. Ok. Flèche. Est-ce que ça m'a ouvert ça? Normalement ça m'a ouvert ça. Vu que j'ai buté celui qui avait le saut, alors faut toujours que je les bute. Alors on va récupérer ça. Taxona. Les dernières que l'on trouve dans une grande quantité sont rares en surface. Grande valeur. Cependant le village 2-0 semble être une exception. De nombreux artefacts s'y trouvent tombent du ciel. Certains d'entre eux pourraient même être bien être connu. Il faudrait que les agents de la surface ne pas qu'ils viennent les yeux. Ok. Mais pourquoi tu es pas nombreux que les... Explication. Gloire au grand Koga. Ah si, c'est ouvert. Ah, c'est vide. Ma gueule. Alors, merci. Parce que du coup, les coffres ont apparu à l'intérieur. Rien à piquer ? Ah, bande de salauds. Hop. Ok, on récupère ça. Et maintenant, on va se téléporter. Là.
Une heure et demie qu'on est en live, écoute, on va continuer encore un peu. On va se remettre la tenue du sombre là. Parce qu'on sait jamais. Hein. Ok. Est-ce que on voit la racine? Ok. Pas du tout. Merde. Dirige pas du tout dans la bonne direction. Je l'ai pas ça de racine. Alors attends, on se mettra. À... Qu'est-ce que c'est ça? Ok, c'est un golem de pierre. Celle-là ? J'ai du mal à repérer sur les cartes. Je pense que c'est ça là. Ouais, c'est ça là, je l'ai eu. Après, je sais pas comment aller récupérer le trésor là-bas. Ah, moi, ce qui est ici, j'ai vu qu'il fallait se téléporter dans le. Il y avait un sous-sol, une abîme sur les petites îles. Construction là. On est où là? Grosse construction sono. Là, il y a des trucs.
truc. Allez, on va aller voir la racine d'abord. Ça va être sympa d'y grimper en tout cas. Ok. On va d'abord faire la racine. Fait un peu les bruits de Michael Jackson hein, quand il monte. Sacrifier quelques petits cœurs là. Ça va. Ça va, ils sont sympas. Ok. Et salut Lady Dark, comment tu vas? Comment tu vas? Ça va? Continue à peser là. On découvre les profondeurs. Titre. Et on avance gentiment dans le jeu. Bah écoute, ça va bien, ça va très bien. C'est si loin que ça déjà. Attends, hop. La structure. Alors, on va voir ce que c'est ce truc là. Ça va très bien, il fait un temps de merde. Adeline est en train de refaire l'aménagement du salon. Je me suis enfermé dans le bureau. C'est juste une méga tour. Ah bah écoute, c'est gentil. Non, on va pas tarder à arrêter, je pense. Ok, c'est juste un truc pour remonter à la surface. C'est juste un truc pour remonter à la surface. Oh bah écoute, c'est pas grave. Hein. Attends, on va essayer de se faire rapidement ce petit coffre là qui a parlé bien loin. On va voir si on arrive à trouver cet emplacement là. L'autre, je pense qu'il faut me téléporter sur les îles. Ouais, il est 15h, je vais arrêter. Sortir un peu de ma tanière. Ouch. Bah écoute, nous on a du 30, mais okay. D'accord, tout à côté, il faut les zoomer un peu sur la carte. Ok, bah c'est là-haut, ok. Ouais. Ah bah on va faire le plein de minerais. Bah bisous à Eric aussi. Et puis je passerai vite fait sur le batlive après. En cas je vous laisserai un petit raid. Même s'il y a plus personne, que j'ai arrêté entre midi et deux, j'ai perdu tout le monde. J'avais du monde sur Kick là, j'ai eu un beau raid, une 200 personnes.
Je fais une petite tour pour les manger. Hop là. Descends de la tour. Allez faire le con Link. Descends. Il joue quoi Eric? Ouais, un petit souci. J'ai eu un petit souci de. Il a fait que je redémarre le PC aussi, mais bon, rien de bien méchant. J'ai plus de son. Ah. Je pourrais utiliser une bombe. FF16, ok. Heureusement qu'il y a une bombe juste ici. Donne-moi. Dame la bombe. Bisous. Alors, nous sommes dans une mine et il devrait y avoir pas loin un trésor. J'imagine ici. Ah, plastron de mineur. Des lampes de taille diverse renferment une substance luminescente recouverte de plastron et leur a été reçu de travaux dans le noir. Oh cool. Je pourrais y voir dans le noir. Alors. Là, c'est chiant parce que je suis loin. Et si je vais vers là. Est-ce que je pourrais l'atteindre celui-là? Non, t'aurais pas dû aller manger. T'aurais pas dû aller manger. Ouais, celle-là, il faudrait que je me téléporte à l'extérieur, que j'aille au bout de l'île. J'ai tout ça à voir dans l'obscurité. Oh là 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 là. Et là, il y a un truc à faire. Enquête régionale. Est-ce qu'il y aurait une petite quête que je pourrais faire rapido là? Alors, est-ce que tu sais comment le récupérer ce trésor là, le trésor de lambda? J'ai pas réussi, j'arrive pas à le récupérer. Là. Il y a une grotte, j'ai parlé au gars, mais j'arrive pas à... Je sais pas comment récupérer le trésor. Toi, tu m'avais dit que aussi tu voulais, t'avais récupéré, je crois. C'est là, je crois, où t'avais récupéré le. Attends. Fais une capture d'écran, mais forcément, elle est sur mon PC du boulot. Non, c'est là, je crois. Un sanctuaire par là. Je l'ai peut-être pas trouvé. Je vais d'abord faire ça. D'abord faire ça. Ouais, je vais y retourner voir si j'ai pas loupé un truc. Je vais d'abord faire le truc là, le truc de la muraille. Il pleut pour changer. Je suis dans la direction. On va pas rentrer tant. Ça va, j'ai un bout de bois. Je suis pas conducteur. Je suis monté là où je l'ai fait ça. Alors.
Allez. Survoler, messieurs, est-ce que... Viens là. Il y a un sanctuaire que j'aurais loupé par là ? En effet. Et on vide le bassin. Pense à la ligne qui en face. Est-ce que je l'ai prise en photo, la perche d'Hyrule ? Je l'avais pas. Alors. Toi qui entends ma voix, viens à moi, dirige-toi vers les ruines du temple du temps. Ok. Du soleil. Bon. Ouais. Attends, ok, tu veux pas. Tu m'étonnes, c'est trop rare. Hop là, hop, moi la paix. T'as cru m'avoir avec tes pommes, toi ? Ok, on lui a mis une flèche dans les fesses. Et un champignon au bout, lui. Ça, on s'en fout. On va au temple du temps. Bonjour, temple du temps. Ok. Toi qui attends ma voix, en évacuant l'eau de la porte de la muraille, tu as partiellement libéré mon esprit, je t'en remercie du fond du cœur. J'ai revêtu l'apparence de cette statue pour te parler depuis les profondeurs de la terre. Toi qui attends ma voix... Ok. Rends-toi auprès des quatre abîmes du plateau que je t'indique à présent. Prends mes yeux. De près, ce abîme, jette-les dedans. Ok. Apporte-les ensuite jusqu'à moi dans les profondeurs de la terre de ce temple. Si tu
fais ce que je demande, tu seras récompensé. Mais on va s'arrêter là. Ce sera pour la prochaine fois. On va rester là avec cette jolie vue sur la plaine d'Hyrule. Un peu de hauteur. Voilà. Et cette fois-ci, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bah tiens, on va aller chez Argol. Et puis, je vais regarder. Hop là. On va éteindre la Switch. Et nous y voilà. Donc on va ouvrir le navigateur pour aller gérer des chez Argol qui est sur FF16. Juste vérifier. On va se mettre là-dessus. Normalement. Non, c'est pas là-dessus. C'est là, je crois. Ouais, lancer un raid et Argol. Donc sinon, c'est une petite minute pour se faire des bisous et se dire... Se souhaiter une bonne journée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite un bon courage pour votre fin de dimanche et pour votre semaine. On se retrouve nous en fin de semaine. Je vous tiens au courant dans la semaine. Si on live vendredi, c'est pas garanti. Ça dépendra de mon emploi du temps du vendredi. Comme je vous disais, j'ai posé mon vendredi, donc on va profiter un peu. Et en plus, on a du Zelda. Donc on est chez Argol dans 1 minute 30. Vous lui faites un bisou. Je vais de ce pas aller sur son live, voir si ça a fonctionné, lui faire passer la pub. Profitez bien, bon courage. Merci encore d'avoir été là et puis pour votre participation sur le chat, c'est vraiment cool. Et puis, toujours chouette de se faire un peu de Zelda ou un peu de Lego ensemble. Donc, regardez, pour l'instant, j'ai mis le petit palmier là en attendant qu'on continue d'user Lego la semaine prochaine. Toi aussi, bonne soirée. Bon courage, j'espère que t'as fini ton trou. Et puis, c'est cool. C'est cool. En tout cas, c'est bien, ça bouge un peu sur Kick et tout, donc c'est chouette. Amusez-vous bien, des gros bisous. Tiens-moi au courant quand est-ce que tu peux m'envoyer l'Action Man, je t'ai traqué avec ça. Allez, tchao les copains. Bye bye. On lance, comme d'habitude, fin de live, on lance la vidéo d'Action Man. Moi, quand j'ai envie de me reposer ou de décompresser, je fais de la varap ou alors de la marche, de la bicyclette, ou bien je fais du karaté. Tu loues du matos ? J'améliore mes coups francs, je fais du skateboard, du snowboard, du windsurf, du baseball ou bien du football. Je fais du piano, de la peinture, je lis, j'écris, je compose. Je regarde des vidéos, des dessins animés ou des films d'action, ou tout simplement les infos. La drogue peut te tuer. Et quand il existe autant d'activités dans la vie, pourquoi est-ce que je me droguerais ? Allez, des bisous, copains. Pourquoi est-ce que tu te droguerais ? Ciao !